Bon, depuis le début de l'année, je crois que je vous ai partagé beaucoup de moments où je travaillais et surtout où j'étais désespérée. J'ai tendance à me mettre une énorme pression de la réussite. Juste, je travaille tout le temps. Mes cours pratiquement sont en anglais, je galère. Voilà, je voulais vous montrer que c'est pas mon mood H24 et que parfois j'arrive à passer des bonnes soirées assez cool. Donc, je vous présente aujourd'hui ma petite routine du dimanche soir, un peu chillax. Ça se dit pas d'ailleurs. Bref, j'espère que ça vous plaira. Ok, donc la première chose que je vais faire, vraiment quand j'ai le temps, c'est me balader. J'adore marcher, c'est une de mes passions dans la vie, je pense être une des seules. Mais voilà, vraiment j'adore. Et comme je suis arrivée à Lille, il n'y a pas très longtemps, je découvre encore des endroits. Et surtout, Lille, c'est vraiment magnifique à cette période de l'année, donc je vous conseille de venir. Ce soir-là, j'avais mangé avec la team crotoise en Noémie, hein, parce qu'elle est en passesse, un resto qui s'appelle, je sais plus, je vous mettrai le nom, mais il est trop trop bon. Et ensuite, on est allé prendre un verre dans un bar qui s'appelle le Vintage, et il est hyper stylé, donc je vous conseille. Et leur Monaco est très bon, je sais pas ce qu'ils avaient mis dedans, mais c'était très bon. Et oui, je prends des Monaco, c'est une honte à Lille, mais j'assume, je ne suis pas lilloise, je suis normande. Ensuite, je vais rentrer chez moi, je vais allumer ma lumière de toutes les couleurs. Ça fait tellement cliché, youtubeuse. Ensuite, je vais prendre ma douche, très très important, et je vais me coiffer, voilà. Donc, je voulais vous montrer un peu les soins que je fais. Et oui, je mets des lunettes parce que je m'étais mis de l'eau de Javel dans l'œil. Et donc, on avait l'impression que j'avais fumé des substances illicites et ça me faisait très mal à l'œil. Donc, je vais appliquer une mousse. Oui, ainsi qu'un sérum. Je vous mettrai les liens en barre d'infos, je les ai reçus gratuitement, mais franchement si je vous les présente c'est parce que je trouve qu'ils marchent. J'avais eu pas mal de boutons avec le stress des examens et ils sont partis, ça fait genre 3 semaines que je les utilise. J'ai une peau hyper sensible de base et là ça me brûle pas, donc voilà, n'hésitez pas, hein, je vous force pas, mais si vous cherchez une bonne crème. Ensuite je vais prendre une tisane. Oui, ce pyjama, je l'ai depuis je sais pas combien d'années. Il est complètement cassé, mais j'ai vraiment la flemme d'en racheter un. Je vais monter dans ma mezzanine. Je vous la présente enfin, parce qu'en fait, je vous ai jamais montré, mais j'ai une petite mezzanine, j'y passe pas beaucoup de temps, et je vais lire Harry Potter. Je vais essayer d'éteindre mon tel, parce que souvent, je suis trop distraite, c'est mon problème actuellement. Et donc voilà. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle était assez courte, mais franchement, je vais pas m'inventer une vie. Je me mets juste 3 crèmes sur le visage et je me brosse les dents, un peu comme je pense 99% de la population française. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram et à ma chaîne YouTube, parce que là, faut qu'on atteigne les 20K. Hein. Bref, bye la mif.